Je suis Ranjana Fugua, maman de deux enfants et fondatrice et directrice de l'agence marketing et de positionnement de marque Sphere Media Technologies. Bon, mon background, c'est quoi? Je suis ingénieure système et réseaux informatiques de formation, mais j'ai bougé dans le marketing en Angleterre en 2005. J'ai travaillé chez eBay, donc j'ai vraiment commencé ce parcours marketing, cette connaissance, cette expertise marketing en étant le responsable de paid search, donc Google Ads entre autres, chez eBay, chapeautant quand même pas mal de marchés en Europe et en Australie. Sphere Media va fêter ses 12 ans dans pas longtemps, en fait au mois de mai on va célébrer nos 12 ans d'existence, à changer et à grandir avec les marques à l'île Maurice et mais aussi des marques internationales. Aujourd'hui on est fort de 13 personnes, une équipe créative, donc tout ce qui est création de contenu, photos, vidéos, couverture d'événements, création de visuels 2D, 3D. Donc nous, notre travail au quotidien, c'est quoi? C'est d'accompagner ces marques pour faire que ces marques puissent se démarquer et se différencier sur le marché tout en arrivant à passer le message qu'ils veulent et qu'il faut à ceux qui consomment leurs produits et leurs services ou à ceux qui souhaiteraient qu'ils consomment leurs produits et leurs services. Je pense que la femme, elle a tout le temps fait la différence. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas gardé pour demain. La femme, elle sait faire la différence. Elle a le cœur où le cœur doit être. Et c'est la femme d'hier, d'aujourd'hui et la femme du futur. Ben, elle sait ramener tout le monde ensemble. Elle sait aussi quelle est sa priorité. Oui, dans certains cas, des fois, ça devient fou parce qu'il y a tellement d'autres choses à considérer. Mais quand une femme met sa tête et se dit que voilà, c'est ce que je veux faire, et elle sait où elle a tout ce qu'il faut comme mentorship, comme opportunité, comme guide, pour qu'elle puisse arriver à ce point, à se dire voilà, j'ai réussi à faire ça, je pense que la femme d'aujourd'hui, elle a quand même de belles opportunités. Il faut juste savoir qui est à ses côtés, il faut juste savoir où aller trouver ses opportunités et bien évidemment le drive de le faire. Moi je pense que l'égalité c'est aussi savoir se mettre en avant, l'égalité c'est de respecter le standard de service ou de ces produits qu'on est en train de mettre en avant. Je pense comme on dit, if you have a compelling service, if you have a compelling product, no one should stop you. Je pense que la femme déjà doit commencer à se valoriser elle-même. Ok, it's me, it's my time, it's me time. And une femme qui arrive à se valoriser saura se faire valoriser devant et dans l'environnement pareil où elle évolue. Le message que je demanderai aux femmes de passer, c'est ne doutez pas de vous. Franchement, ne doutez pas de vous. Je pense qu'il y a à tout moment effectivement une balance à faire. Et ça ne repose que sur vos épaules de trouver cette balance, de savoir vos priorités, de savoir ce que vous souhaitez faire, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit dans le parcours professionnel ou dans la société. Ça ne repose que sur vous. Il n'y a personne qui vous définit en fait. Vous savez ce que vous êtes, vous connaissez votre force, utilisez-la et allez de l'avant. Top FM souhaite une très bonne fête à toutes les femmes.